Quel point vous êtes capable de varier dans votre approche du dessin. J'aimerais savoir quelles sont les décisions qui président à vos choix esthétiques en fonction des reportages. Je pense particulièrement à cette histoire qui s'appelle Down and Up, où le trait est très épais, ou parfois l'utilisation de la couleur. And some of the pieces like Down Up are more simply drawn because the main focus is on the soldiers. It's a story about US Marines trying to train Iraqi soldiers how to fight. Donc pour Down and Up aussi, la raison pour laquelle le trait est épais, c'est que c'est une histoire qui est focalisée, centrée sur les personnes, sur les soldats, puisque c'est l'histoire de soldats américains qui vont entraîner des Irakiens. So the background wasn't so interesting, in fact it was distracting, and I thought, okay, this is going to be told more simply. Voilà, donc en l'occurrence, ce qui se passait en arrière-plan, l'arrière-plan était plus distrayant qu'autre chose, c'est-à-dire ça ne permettait pas vraiment de se concentrer sur ce qui était essentiel, à savoir les personnages, donc je l'ai dessiné de manière extrêmement simple. And some of the other stories, for example, the one about African migrants trying to come to Europe, and the India story, the deadline was a bit tight, and I thought I have to draw quicker, and it cannot be the most detailed thing I've ever done. Et pour d'autres histoires, comme celle d'histoire des migrants donc, ou celle d'histoire sur l'Inde, là, il se trouve que j'avais des échéances, des deadlines extrêmement serrées. Et donc, pour des raisons pratiques, il a fallu que je dessine vite, rapidement. Graphique, est-ce que visuellement l'album est assez différent de Chronique Birmane, notamment dans le traitement de la couleur? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter de ce côté-là? Ben, en fait, là, comme j'ai voulu travailler sur un format de page un peu plus grand, donc du coup j'avais plus de place pour faire le décor, ce que j'avais envie de faire, parce que je voulais qu'on ressente la ville, les coins de rue, les endroits où on est dessus de toit, et puis les méandres de la rue, et puis le côté un peu étouffant de toutes ces pierres qui nous entourent. Donc d'une part, pour le dessin, je voulais que ça soit assez réaliste pour que les gens qui sont allés là-bas, parce que je peux évoquer Rangoon, il n'y a pas beaucoup qui y vont, et encore moins à Pyongyang, mais là je voulais que les gens qui sont allés puissent même retrouver des coins de rue et tout ça. Donc ça me fait assez plaisir quand il y a des gens qui sont allés, qui disent « Ah ouais, vous êtes allés vous aussi sur le toit de l'Austrian Hospice, on le reconnaît, tout ça », parce que bon, c'est très précis et j'avais envie qu'on le retrouve. Pour la couleur, il se trouve que en fait Jérusalem, c'est depuis le mandat britannique, il y a une pierre qui est imposée pour toute la construction. Donc déjà dans le vieux Jérusalem, on peut comprendre, mais ils l'ont fait aussi dans le grand Jérusalem. Ils l'ont imposé dans le grand Jérusalem, ce qui fait que ça fait une ville avec une seule couleur partout, et c'est en fait très monotone. Moi, je trouve, personnellement. Et donc, je voulais retranscrire un peu cette ambiance, moi, ce que ça me donnait comme feeling. Il y a une couleur chaude pour l'été, parce qu'il n'y a pratiquement que deux saisons. L'hiver, c'est assez froid. Donc, voilà, il y a les teintes bleutées et les teintes chaudes. Je voulais rester dans quelque chose de plutôt pas trop coloré. Ouais. Mais, et voilà, et retranscrire cet aspect assez particulier de Jérusalem.